Bonjour. Alors, je fais cette vidéo parce que c'est la première de 2022 pour vous souhaiter bonne et heureuse année. On est toujours en janvier, alors je pense que ouais, je peux vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et pour vous dire aussi merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne en 2021, tous ceux qui ont suivi mes vidéos. Même si je n'en ai pas beaucoup produit, là on est à 516 abonnés. Merci beaucoup. Donc ce sera en même temps ma vidéo de remerciement pour les aux 516 abonnés qui sont connectés à la chaîne. Comme nouvelle résolution, ouais, j'ai pris la résolution de revenir faire plus de vidéos pour cette année, pour me rattraper pour l'année l'année ouais, pour me rattraper par rapport à l'année 2021 où j'en ai pas beaucoup publié. Alors, rapidement, en faisant le tour, j'ai vu que l'intégration continue d'intéresser les gens, puisque c'est la vidéo la plus suivie. Après, qu'est-ce qu'on a? Kubernetes, l'installation avec Rancher. Donc après l'intégration continue, c'est l'installation de Jenkins. Puis on a Kubernetes avec Rancher. C'est le, est-ce que c'est le direct que j'avais fait? Non, c'est pas le direct que j'avais fait. Ah, le live que j'ai fait, il est là. Il intéresse aussi les gens et voilà. Donc je pense que les gens sont plus intéressés par Jenkins et un peu de Kubernetes. Donc ouais, cette année je vais essayer de faire plus de vidéos sur l'intégration continue, ouais, des outils qu'on utilise dans l'intégration continue. Et à côté, ça donne quoi couverture? Alors, donc la plupart de mes trafics viennent de LinkedIn, de Twitter aussi, un peu de search. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on peut voir aussi ici aussi? Engagement. Ok, les gens ont plus suivi le live sur Kubernetes au-delà de 30 minutes. C'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, le CI/CD est au top. Jenkins suit après Rancher. Et en termes d'audience, voyons voir où sont, d'où viennent mes abonnés. Donc on en a beaucoup qui viennent de la France, puis le Sénégal et le Maroc, Tunisie, Cameroun. Ok, super. Alors, en termes de genre, ouh, les femmes ne me suivent pas. Je pense que, ouais, mes contenus techniques n'intéressent pas les femmes. Donc, il y a plus d'hommes qui suivent ou qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. Ouais, peut-être que c'est ça aussi. Ouais. Donc, voilà un peu où est-ce qu'on en est sur la chaîne et voilà. C'était pour vous souhaiter une bonne et heureuse année dans cette vidéo et voilà, vous dire merci pour tous ceux qui se sont abonnés et promettre de faire plus de vidéos en 2022. Voilà pour cette vidéo, si vous l'avez aimé, commentez, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez avoir des vidéos pour 2022, des discussions, je pense que je vais aussi essayer de... Voilà, d'exploiter un peu la partie communauté, comme ça, faire des sondages de temps en temps. Ouais. Et si vous avez des, voilà, comme je viens de le dire, des sujets que vous voulez que j'aborde, vous pouvez le poster sur la partie communauté. Bah, s'il a plus de, il a beaucoup de likes, ouais, disons que ouais, je serai obligé de le faire, n'est-ce pas? C'est comme un vote. Le sujet qui a plus de likes passe en premier.
Et super, bonne et heureuse année à nous tous et restez très loin de Omicron, même si c'est devenu banal maintenant. Le Covid, c'est devenu banal, mais bon. Essayons de garder les gestes barrières pour rester très loin de Omicron. Et espérons qu'il n'y ait pas d'autres variants qui arrivent et voilà, qui nous laissent un peu en paix, ce coronavirus. Parce qu'on en a marre des masques, marre des privations. Mais au moins le point positif, c'est qu'on a du télétravail, c'est déjà ça. Et que ouais. On soit tous en télétravail. Vive le télétravail. Je suis un fervent défenseur du télétravail alors. Ben voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. À la prochaine pour d'autres vidéos plus techniques.